Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. The court is now back in session. L'audience est reprise. The chamber hands over the floor la to Judge Sylvia Cartwright to respond to the request made by pour répondre the defense counsel for Nguyen Chia. À la requête présentée par the la défense de International Defense Counsel for Nguyen Chia, please rise. Monsieur l'avocat international de Nguyen Chia, veuillez vous lever. Mr. Michael Pestman. Pestman, would you please make sure you are correctly attired before the judge convenes? We've let it go this long, but you seem unable to be back in court on time, unlike your colleagues. Secondly, the President has asked me to indicate in response to your earlier request concerning the opportunity to examine experts and other witnesses concerning this historical segment of the trial. Experts who are called later who have relevant information concerning this segment may of course be questioned by you or any other party on this segment of the trial. The chamber is unsure what other witnesses you refer to. Could you put that request in writing, please, so that with your justification for wishing to call any additional witnesses concerning the historical segment of the trial. And please have that to us by tomorrow morning, because this segment is almost concluded. Thank you. Car nous avons presque terminé la question, le segment sur le contexte historique. Now I hand over the floor to Judge Jean-Marc Lavergne presenting documents to the accused and putting further questions. De sa présentation de documents. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai un autre document qui concerne toujours ce problème de la politique d'évacuation des populations. Il s'agit du document suivant, message de félicitations de Monsieur Kyo Sampan. By en date Mr. du 22 Sampan, avril 1975. Dated 22nd of April 1975. Le document peut être trouvé sous le référent suivant. Can be found under the following D359/1/1.37 ERN en français. ERN in French is as follows. 00 53 74 78 à 00 53 74 81. Le document en question est actuellement en cours de traduction en khmer et en anglais. Cependant, je précise que ce message est également contenu dans un autre document qui est le document E3/118, plus précisément c'est un extrait de ce document, et plus précisément il s'agit donc de déclarations radiodiffusées qui ont été enregistrées par le FBIS, le Foreign Broadcast Information Service, the Foreign Broadcast Information et donc Service. L'ERN en and anglais the ERN est le suivant, 00 16 69 96
ERN en Khmer 007 00 0067 00 007 00 02 88. Donc il s'agit d'un message de félicitations message en date du 22 avril 1975, c'est-à-dire très peu de jours après la chute de Phnom Penh. Shortly after et la partie of qui m'intéresse est la suivante. Part of the document that is of interest to me is as follows. C'est-à-dire la victoire des FAPLNK. That is the victory elle est due à la ligne de direction clairvoyante la plus judicieuse qui a guidé notre peuple et non FAPLNK dans la conduite de la guerre populaire la plus puissante et la plus effervescente, attaquant l'ennemi dans tous les domaines, militaire, politique, économique et au point de vue de l'évacuation des habitants hors des localités sous contrôle provisoire de l'ennemi, mettant en échec les unes après les autres toutes les manœuvres de l'ennemi, attaquant continuellement sans répit l'ennemi, lui faisant perdre toutes les forces militaires, politiques, économiques, financières, vivres jusqu'à l'épuisement complet de sang, l'étouffement et enfin l'agonie et la mort. Stifling, agony and death. Voilà, donc je ne sais pas si l'un ou l'autre des accusés entend réagir à ce que je viens de lire, mais la partie évidemment qui me paraît la plus intéressante, c'est celle qui concerne la ligne ayant guidé les FAPLNK dans la conduite de la guerre populaire, et en particulier celle qui concerne l'évacuation des habitants hors des localités sous contrôle provisoire de l'ennemi. Out of territories that were originally under the control of the enemy. Monsieur Nunchia, Monsieur Kyo Sampan, Mr. Nunchia réagir à and ce Mr. Que je Kyo Sampan, would any of you like to react to what I have just read out? Est-ce que vous m'avez entendu? Were you able to hear me? Est-ce que l'on doit considérer votre silence comme un refus de commenter? Should I interpret your silence in answering as a refusal to comment? Ou bien est-ce que simplement vous n'avez rien à dire? Or put simply, do you have nothing to add or say? Bien, bah écoutez, je pense qu'on va passer à un autre document. Very well, I think we will move on. Il s'agit maintenant d'une série de documents qui concerne le programme politique et la composition du GRUNC. The le composition GRUNC of le the gouvernement GRUNC, royal the royal national government of the du National Union of Kampuchea. Alors, tout d'abord, and un document policy lines. Qui porte la référence IS-18.1. Document intitulé « Le siège du Cambodge à l'Organisation des Nations Unies », référence ERN en français ERN et en anglais. English, as follows. Ce sont les mêmes références puisque le document est à la fois et dans les deux langues en même temps. The same document exists il s'agit in both donc languages. De la référence suivante 00068101 à 00068129.
pages 11 et 12 du document en français et 25 et 26 du document en anglais. 25 and 26 le RN in English, en the ERN Khmer, in Khmer et le suivant 0029-0197 et 0029-0198. Il doit y avoir par ailleurs une traduction complémentaire, qu'il s'agit de traduction partielle. That is only a partial mais je n'ai pas les références à ce jour. Je sais qu'elle a été faite, je sais qu'elle est au dossier, mais je n'ai pas les références. The references, the document is entitled voilà, Cambodia's seat donc, in the United Nations. Du programme politique du FUNC. Il I refer you to the political program of FUNC. Juin 1973, and the document that is dated 19th of June 1973 with respect to pour y exposer qu'il visit est le of a seul représentant légitime York, du Cambodge which was considered et qu'en conséquence, only legitimate representative il convient de lui attribuer le siège réservé au Cambodge. And who took the seat that was allocated voilà, for Cambodia. Je vais lire, c'est peut-être un petit peu long, mais this paraît intéressant. What lengthy, but le gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge suit une politique dont les lignes sont indiquées dans le programme Union politique du FUNC. À l'intérieur, garantie des libertés démocratiques, de presse, d'expression, freedoms de croyance, of democracy, freedom of respect press, du droit de propriété privée. The right to private property. La politique extérieure est celle de neutralité et de non-alignement. Ce gouvernement comprend dans son sein les meilleurs fils et filles du Cambodge, connus pour leur patriotisme et leur dévouement à la cause du peuple. La majorité d'entre eux possèdent de solides connaissances et une vaste expérience dans la gestion des affaires d'État. Pour avoir occupé avant le complot du 18 mars 1970 des responsabilités importantes, président du Conseil, ministre, député, ambassadeur, etc. 11 ministres et vice-ministres titulaires de portefeuilles importants, dont ceux de la défense nationale, de l'intérieur, de l'information et de la propagande, exercent leur activité à l'intérieur du Cambodge. Le gouvernement royal du Union nationale du Cambodge. Le président, est-ce que le juge Lavergne peut répéter et ralentir aux fins de l'interprétation? Donc je vais reprendre, peut-être pas complètement depuis le début, mais je vais dire à partir de... Ce gouvernement comprend dans son sein les meilleurs fils et filles du Cambodge, connus pour leur patriotisme et leur dévouement à la cause du peuple. La majorité d'entre eux possède de solides connaissances et une vaste expérience dans la gestion des affaires d'État. Pour avoir occupé avant le complot du 18 mars 1970, des responsabilités importantes. Responsibilities that were quite significant président du Conseil, of ministre, of député, councils, ambassadeur, members, etc. Ambassadors, 11 etc. ministres et vice-ministres titulaires de portefeuilles importants, dont ceux de la défense nationale, national defense, de l'intérieur, de l'information et de la propagande, affairs, exercent leur propaganda activité à l'intérieur du Cambodge. Le gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge assure son contrôle sur les 90% du territoire national que constitue la zone libérée et dirige la lutte de la population vivant dans la zone provisoirement contrôlée par le groupe des traîtres de Phnom Penh. Il y assoit son autorité effective par le moyen
d'une organisation administrative bien structurée a very well structured à tous les échelons, body. Villages, this communes, is the case in villages, districts, communes, districts, provinces. And provinces. Une démocratie réelle s'installe. A true democracy. Le peuple choisit ses représentants pour participer à la gestion des affaires. They are actively involved in the management of state affairs. Voilà, Monsieur Nunchia, est-ce que vous Mr. avez Nunchia, des commentaires par rapport à ce que je viens de lire? Est-ce que do you have any comments with respect to what I've just read to you? Politique qui prévoit notamment le respect du droit de propriété privée, la liberté d'expression, religion, paraît être un programme qui était conforme property, d'une part à la ligne politique du PCK et également aux mesures mises en œuvre dès 1973 dans les zones libérées. Réponse. I have no Monsieur knowledge of the administration, je your n'ai pas connaissance des questions d'administration. I was attached to the party on education part. Je m'occupais de l'éducation only. Au sein du parti et de rien d'autre. Eh bien, Monsieur Nunchia, pouvez-vous nous dire si dans l'éducation que vous dispensiez, well, vous Mr. appreniez Nunchia, à vos étudiants ce qu'étaient les libertés démocratiques session, de presse, d'expression, therefore, de croyance et de respect du droit de propriété privée? The respect of one another, respect of freedom of religion, freedom of press, and the right to private property. Réponse. Your Honor, Monsieur le Président, the education focused on the elimination of privatization, individualism, l'éducation corruption, consistait à éliminer l'individualisme, la corruption, stands, il s'agissait loving the party, the country, de faire comprendre educating qu'il fallait people aimer to be le determined, pays, il fallait apprendre aux gens abandoning à être personal interests, à abandonner leurs intérêts focusing personnels on the benefit au service of collective de l'intérêt interests. Collectif. These were part of voilà the party's principles, consistaient les principes being du parti. Educated to people. And I was tasked with educating à la population. People to j'ai abolish the individualism. L'éducation en vue d'abolir l'individualisme. The gambling and d'éliminer you know, indecent acts like les conduites immoral immorales conduct, et indécentes toward women were also par rapport part aux femmes, of the education I provided to people de l'éducation so that they dont je m'occupais. Could be cautious and stop them. Monsieur Nunchia, est-ce que l'abolition de Mr. l'individualisme Nunchia, est compatible is avec the abolition le of respect du droit de propriété privée compatible with avec compliance la liberté with the right d'expression individuelle and individual freedom of speech? Response, Your Honors. I think we should not misunderstand. To il faut abolish tout malentendu. Individualism is to lorsqu'on abolish parle d'abolir l'individualisme, the private ownership. We try to educate people not ce to cling on to la même chose individual que la power de rather la than the collective one. Propriété privée. And we educated people to follow on the political lines. Qu'ils suivent la ligne politique et qu'ils se mettent au service and, de l'intérêt collectif. I think there was still plenty more of these if you allow me to elaborate. Et je pourrais donner encore beaucoup d'exemples. We try to educate people not to nous avons be essayé d'inculquer aux gens to resort to qu'il ne fallait pas freedom in our sense the faire preuve d'individualisme
the act that people performed arbitrarily without respecting the principles of the On leur inculquait party le respect des principes line. Du parti. Alors, je vais peut-être poser la question d'une façon différente, Monsieur Nuccia. I'll rephrase my question for you, Est-ce Mr. que Nuccia? Le respect du droit de propriété privée Is the respect for the, est of une the valeur right to private property que vous avez a enseignée value that you taught? Réponse. Education came into various forms. L'éducation prenait the différentes formes. The respect of private property here referred to the respect of de respect the de la right of people privée, to express. Il s'agit du respect du droit d'expression. The right of people to il s'agit propose ideas. Du droit de proposer des idées. To challenge any opposing ideas for et example. De contester. Alors, quand je lis une démocratie réelle s'installe, le peuple choisit ses représentants pour participer à la gestion des affaires. Vous qui êtes dans la formation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Their la démocratie state réelle. Affairs. You who are in power, what does democracy mean for you? What does true democracy signify? Réponse. Your Honours. Monsieur le Président. Democracy is more about the decentralized la or democratic decentralization. It doesn't mean that we own we listen C'est mainly to the minority. Or I can put it in other words. Laissez-moi vous expliquer. We also need to listen to the small voices. If it is the 50 against 41 Il voices, for example, we cannot really abandon the 49 taking hold y compris la voix de la minorité. Par exemple, si 50 personnes sont d'un avis donné et 49 d'un autre avis, on ne peut pas ignorer les 49 personnes en question. Monsieur Nuccia, est-ce que selon vous, Mr. la ligne Nuccia, politique telle qu'elle apparaît mind, dans ce document présenté aux Nations Unies en 1973 est conforme, compatible avec la ligne politique du PCK the CPK's political line, ou était compatible or was avec it la ligne du PCK compatible with the CPK's political line? Response, Your Honours, I have réponse. Never seen such Monsieur le document Président, before. Je n'ai jamais vu ce document. Est-ce que vous avez cherché à connaître quelles étaient les lignes politiques du GRUNC ou Did est-ce que c'est une question qui ne vous intéressait pas? The political line of the world government of national union was, or were you completely unaware of it? Response, Your Honours, Funk and Grunk were relevant to the administration, and I was involved in the party
other than quant à moi, those sections. I have heard je m'occupais d'autres choses. It, but I have never j'en ai been entendu parler, deeply engaged in mais those sections because I dedicated myself to educating people, educating people on the political stance, party stance, for je example. Travaillais à leur inculquer la ligne politique du parti, par exemple. Et selon vous, dans les zones libérées, and in your qui opinion, détenait Mr. véritablement le pouvoir? In the liberated est-ce que zones, c'était who le groupe, power, est-ce que c'était le FUNC, ou est-ce que c'était les représentants du PCK? Was it the representatives of the CPK, or was it the People's Armed Forces of National Liberation of Cambodia, or was it the World Government of National Union of Cambodia? Réponse. It depends. If it was something to do with the ça administration, dépend. Then the administration si would lié à hold power. But it, when it comes to the party, then the chargé. Party would be mais in si control. Mais s'il s'agissait de questions relevant du parti, c'est celui-ci qui s'en occupait. Et pour l'armée, qui contrôlait l'armée? And who controlled the army? Response. I'm not, Monsieur le Président, quite sure about this, but je n'en suis pas for certain. The military, there was a committee concernant les questions militaires, by il y avait un comité Commander qui était Pol Pot. Dirigé par le commandant Pol Pot. Et vous-même, vous faisiez partie de ce comité? And were you yourself a member of that committee? Response: No, I was not. Réponse: Non. Et saviez-vous si Monsieur Khieu Samphan occupait les fonctions de vice-premier ministre du Grunk and et ministre de la Défense nationale? Mr. Khieu Samphan was minister of national defense or vice prime minister of the Grunk? Response. I have heard of this, but I have not réponse. Known what he did actually. J'ai entendu dire cela, mais je ne savais pas exactement de quoi il s'occupait. Alors, pour votre information, puisque vous semblez pas therefore, très bien connaître Mr. Nguyen, le Grunk, for your information, je vais également lire un document qui se trouve en annexe du document que je viens de citer et qui contient la composition du gouvernement royal de l'Union nationale du Cambodge. And that concern the Royal Government of National Union Premier of ministre, Cambodia. Monsieur Prime Minister, Pennut. Mr. Pennut. Vice-premier ministre et ministre de l'Éducation Prime de la Minister Défense nationale, and Minister of Monsieur National Khieu Defense, Mr. Khieu Samphan. Monsieur Sarinchak, ministre des Affaires Mr. étrangères. Mr. Sarinchak, Minister of Foreign Affairs. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Monsieur Sarinchak pendant la période du Kampuchea démocratique? Do you know what happened to Mr. Sarinchak during the time of Democratic Kampuchea? Response: I have never réponse, known him. Monsieur le Président, je n'ai jamais connu cette personne. Monsieur Uyun, ministre de l'Intérieur. Mr. Huyun, Minister of the Interior, réformes et des coopératives. Responsible for est-ce reforms. Est-ce que vous avez connu Monsieur Huyun? Communes and cooperatives. Did you know Mr. Huyun? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant do you know what happened to la him période du Kampuchea démocratique? During the period of Democratic Cambodia. Response. I have known Monsieur le Président, him, but our relation was not very close. Mais nous n'étions pas très proches.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Monsieur Huyun pendant la période du Kampuchea démocratique? And what happened to Mr. Huyun during the period of democratic Kampuchea? Response. Réponse. I have heard that he had contradiction or argument with his bodyguards. Il est entré en conflit avec son garde du corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? And then what happened? Response. I heard that there was d'après fighting. Ce que j'ai entendu, and his bodyguard, who were minority group, escaped. Il y a eu un combat et le bodyguard, le garde du corps, soit pour l'interprète, s'est enfui. Et alors, quel était le résultat de cette altercation? And what was the outcome of that dispute? Response. I did not follow up this incident because it was none of my business. It was part of the administration. Cela relevait de l'administration. Je ne comprends pas très bien. En quoi cela relevait-il de l'administration, monsieur? Vous faites état d'une altercation entre Monsieur Huyun et son garde du corps. Est-ce que Monsieur Huyun est décédé à la suite de cette altercation? Did Mr. Huyun pass away following that altercation? What does the administration have to do with anything? I have heard of this through a report. I heard that there was a dispute and he was shot by his bodyguard. Qu'il y avait eu un conflit et que son garde du corps lui avait tiré dessus. Et alors, il en est mort? And did he die as a result? Response. I don't know. Réponse. Je n'en sais rien. Again, the administration could take hold of the detailed information on this incident, and I only heard a little bit about it. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de cet incident. Probablement que l'administration avait plus d'informations à ce sujet. Un autre membre du gouvernement. Very well. Monsieur Hunim. Another member of the government, Mr. Ministre de l'information et de la propagande. Of information and propaganda. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé à Monsieur Hunim? Do you know Mr. Hunim? Do you know what happened to Mr. Hunim? Response. I have known Hunim, but I don't know what happened to him. Hunim, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Monsieur Chow Sang, ministre en and charge what about des Mr. missions Chow spéciales. Sang, minister in charge of special missions. Vous l'avez connu, Monsieur Chow Sang? Did you know Mr. Chow Sang? Response. I have never Monsieur met le Président, this person. I have heard of him. Rencontré cette personne, mais j'ai entendu parler d'elle. Et est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant la période du Kampuchea démocratique? And do you know what happened to him during the period of democratic Kampuchea? Response. Monsieur no, le I Président, don't. Je n'en sais rien. Monsieur Chan Yuran, ministre Mr. Chan Yuran, de Minister la jeunesse. Of
public education and youth, Mr. Ministre de la santé publique et des affaires sociales et religieuses, religious and social affairs, Monsieur Thun Mum. Connaissez Monsieur Thun Mum? And Mr. Thun Mum, did you know Mr. Thun Mum? Minister of the Economy and of Finance. Response. I have heard of his name, but I never met him. Ce nom, mais je n'ai jamais rencontré cette personne. It was on the administration side. Cela concernait l'administration. Général Dyong Samhol. General Dyong Samhol. Des équipements militaires et des armements. Minister responsible for military equipment and arms. Réponse, Monsieur le Président, known this person, je n'ai jamais frankly, connu cette personne. Monsieur Yot Sambat, ministre des Travaux publics, des Télécommunications et Mr. de la Reconstruction. Yot Sambat, Minister of Public Works, Telecommunications and Reconstruction. Do you know what happened to Mr. Yot Sambat during the era of Democratic Cambodia? Response, no, réponse, I don't know Monsieur le Président, non, je n'en sais rien. Monsieur Chi San, ministre de la Justice Mr. et des réformes judiciaires. Chi San, Minister of Justice and Judicial Reform. Réponse, Monsieur le Président, Your Honours, I have never known this person. Je n'ai jamais connu either. Cette personne non plus. Monsieur Ketchon, ministre délégué à la présidence du Conseil des ministres. Mr. Kiet Chun, minister delegated to the presidency of the Council of Ministers. Response. I have known him, but I have not been very close. J'ai connu cette personne, mais nous n'avons jamais été très proches. Je le connais de vue. Monsieur Thun Prasit, ministre en charge Mr. Thun de la coordination Prasit, et des for the efforts pour la libération nationale. For the struggle for national liberation. Your Honor, réponse. I know this person, Monsieur le Président, but I have never worked or spoken cette personne, to this person. Mais je n'ai jamais travaillé avec elle et je ne me suis jamais entretenu avec elle. Son Altesse Royale Norodom Purihara, ministre sans portefeuille. His Royal Highness Norodom Purihara, minister without a portfolio. Your Honor, I have heard of this name, but Monsieur I have never had any contact, nom, direct contact with him. Mais je n'ai jamais eu de contact direct avec cette personne. Monsieur Kong Sofal, Mr. Kong vice-ministre de la Défense nationale. Vice Minister of National Defense. Your Honor, I do not know this person. Je ne connais pas cette personne. Monsieur Pok Doskomar, vice-ministre des Affaires étrangères. Mr. Vice Minister of Foreign Affairs. Your Honor, I have known this person. J'ai connu cette personne. But rarely have I talked to him. Je ne lui ai parlé que très rarement. Because we have different portfolios. Nous gérions des portefeuilles différents. Monsieur Van Pini, vice-ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez ce qui est arrivé à Monsieur Van Pini? Mr. Van Pini, vice-minister of Foreign Affairs. Do you know what happened to Mr. Van Pini? Your Honor, I have never known this Monsieur person. Monsieur le Président, je n'ai jamais connu cette personne. As I said, I do not know the affairs of the government, the
anything that they would allow me to learn, then they would let me know. Other than that, I do not know anything about their functioning generally. Vous voulez que je sache et me le communiquer, sinon je ne suis pas au courant de leur fonctionnement. Because it is the principle embodied in the party that we have to mind our own business in the party. So we cannot interfere in other people's affair or business. So this is what has been set as the principle in the party. Le principe directeur du parti. Monsieur Sok Tiok, vice-ministre de l'Intérieur, en charge des réformes communales et des coopératives. In charge of communal reforms and cooperatives. Your Honor, I have never known this person. Je n'ai jamais connu cette personne. Monsieur Steve Hall, vice-ministre en charge de l'information et de la propagande. Vice-minister of Information and Propaganda. Your Honor, I know him, Monsieur le Président, but we are not close, mais nous n'étions, because he was, of course, member of the royal government. Il était membre du gouvernement royal. Et Monsieur Nuncia, est-ce que par hasard vous sauriez ce qu'il a pu arriver à Monsieur Steve Hall pendant la période du Kampuchea démocratique? Would you perchance know what happened to Mr. Steve Hall during the period of democratic Kampuchea? Your Honor, I do not know anything about him because we have not been in contact for a long time. Nous n'avons pas eu de contact depuis très longtemps. Alors, la suivante est quelqu'un que vous devez peut-être connaître. The next person is someone Madame Yang Tirit, would probably know. Vice-ministre that is Mrs. de Yang l'éducation Tirit, populaire et de Vice la jeunesse. Minister of People's Education and Youth. Your Honor, I know her. Oui, je la connais. Ensuite vient Monsieur Chuchet. Vice-ministre de la Santé publique et des affaires sociales et religieuses. Vous savez ce qu'il est devenu de Monsieur Chuchet pendant la période du Kampuchea démocratique? During the period of Democratic Cambodia. Your Honor, I know him, but I don't know what happened to him. Je le connais, mais je ne sais afterwards. Pas ce qui lui est arrivé. Et le dernier sur cette liste est Monsieur Khoi Thun, vice-ministre de l'économie et des finances. Vice-minister Vous connaissiez Monsieur Khoi Thun? Finance. Did you know Mr. Khoi Thun? Yes, Your Honor, I know this person. Oui, je le connais. Est-ce que vous savez ce qui lui a pu lui arriver pendant la période du Kampuchea démocratique à Monsieur Khoi Thun? Do you know what may have happened to Mr. Khoi Thun during the period of democratic Kampuchea? I did not know it myself, but I have overheard it that he was killed because of the love affairs, because he was killed because of the involvement in love affairs. Été tué parce qu'il avait eu une relation. Et il a été tué où? Where was he killed? I did not know exactly. Je ne sais pas précisément. Alors, je précise que cette liste du gouvernement du Grunk a connu de nombreuses variations, qu'il y a eu de multiples modifications. Was changed. On ne va peut-être pas toutes les reprendre several times. Aujourd'hui. And je we will ne sais not pas go si all the M. Kyusampan ou M. Yang Sari, puisque il doit pouvoir entendre depuis sa cellule, si l'un ou l'autre des autres accusés entendent réagir à la lecture qui a été faite des documents que je viens de présenter, ou s'ils souhaitent porter des observations, s'ils ont des problèmes de mémoire éventuellement, ou est-ce que ces noms évoquent quelque chose pour eux? Regarding memory, or do these names
ring a bell to them. Mr. Kyu Sampon. Kyu Sampon. May it please the court, I have nothing to comment at this point in time. Avec respect, je Thank n'ai you. Aucun commentaire à ce moment précis. Alors, on va poursuivre avec un autre document. Well then, let us proceed with another document. Document and this time, it is document D-108/43/3. Il s'agit d'une lettre en date du 20 mars 1975. Qui a été adressé au secrétaire général des Nations Unies par le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU et qui contient un télégramme de M. Sarin Chak, ministre des Affaires étrangères du GRUNC, et demandant que la déclaration contenue dans le télégramme soit communiquée et distribuée à tous les États membres de l'ONU. Il s'agit d'une déclaration publié par le deuxième congrès national du Cambodge qui s'est tenu les 24 et 25 février 1975 sous la présidence de M. Kyu Sampon. Alors, c'est un document qui est assez long. Je ne vais pas en faire une lecture extensive. Je vais simplement essayer de le résumer. Alors, je dirai ceci. Il s'agit d'une déclaration qui a été adoptée à l'unanimité des participants du congrès, lesquels étaient composés de ministres du GRUNC, de représentants des organisations de masse, de l'Association des femmes démocratiques du Kampuchea, de l'Association des paysans, du syndicat des ouvriers, de l'Association des bons patriotes, de l'Association des intellectuels patriotes, de l'Association des écrivains et poètes patriotes, des représentants des trois catégories de FAPLNK, et cette déclaration énonce en 8 points les grandes lignes de la politique intérieure et extérieure du GRUNC. Numéro 1. Les sept super traîtres, à savoir Lon Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Tan, Cheng Heng, In Tam, Long Boret et Sosten Fernandez sont condamnés à mort. Les fonctionnaires, officiers et soldats, officiers et agents de toutes les polices, gardes d'autodéfense, hommes politiques et autres personnalités vivant dans les localités sous le contrôle de l'ennemi sont invités à abandonner les sept super traîtres et à se rallier au GRUNC en menant des actions de résistance. To carry out resistance actions. Point 2. Point number Le point 2 tend à voir obtenir la cessation de toute ingérence et de toute agression directe ou indirecte des impérialistes américains contre le Kampuchea, ainsi que le départ immédiat de tous les conseillers militaires américains. American military advisors. Point 3. Point number 3. Le point 3 concerne d'une part la politique point intérieure, pour laquelle il est réaffirmé qu'il est procédé à une politique de large union de toute la nation et de tout le peuple, sans distinction de classe sociale, de tendance politique, de croyance religieuse,
et sans tenir compte du passé de chacun, à l'exception toutefois des sept super-prêtres. En ce qui concerne la politique extérieure, il est rappelé la politique de neutralité et d'indépendance, qui est donc la politique à suivre, le refus de la présence de toute base militaire d'agression, l'établissement de relations diplomatiques avec tous les pays proches et lointains, sans distinction de régimes politiques et sociaux, dès lors que ces pays respectent les principes d'égalité, de respect mutuel et d'intérêt réciproque, de non-agression et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Il est également affirmé ceci: la nation et le peuple du Kampuchea accepteront de tous les pays toutes les aides pourvu qu'elles soient inconditionnelles. No conditions are point 4. Point 4 point tend à un appel au soulèvement général armé. Cet appel est adressé à toute la population de Phnom Penh pour qu'elle renverse les traites et qu'elle mène donc des actions violentes. Point 5 fait état, ou fait plutôt un appel à l'abandon du riel émis par les traîtres, savoir le régime de Lon Nol, le riel n'ayant plus de valeur et étant appelé à être remplacé par un nouveau riel émis par le Grunk. Il est précisé également ceci: dans les zones libérées, l'usage du riel émis par l'ennemi a été supprimé et a été remplacé par la mise en place d'un système de troc. Il est dit encore ceci: à l'avenir, la pratique du troc continuera comme jusqu'à présent, et le nouveau riel émis par le Funk et le Grunk sera mis progressivement en circulation. Enfin, il y a une information destinée à tous les compatriotes de toutes les classes et couches sociales vivant à Phnom Penh, ainsi que dans quelques autres chefs-lieux provinciaux sous contrôle provisoire de l'ennemi. Donc, information destinée à ces compatriotes qui se préparent à abandonner les rangs des traîtres pour rejoindre les zones libérées et le Funk. Et il dit ceci: ne vous préoccupez pas des moyens de vos moyens d'existence et de travail qui vous seront pleinement assurés. Point 6, il s'agit d'un appel adressé à toutes les ambassades et à tous les organismes étrangers accrédités auprès du régime des traîtres pour qu'ils retirent sans délai leur personnel et leur famille de Phnom Penh et des régions sous contrôle provisoire de l'ennemi afin d'éviter tout accident qui pourrait éventuellement leur arriver. Le Funk et le Grunk déclinent toute responsabilité pour de tels accidents. Au point 7, il est exprimé la profonde reconnaissance du Grunk et du Funk aux peuples et pays amis et à toutes les personnalités ayant accordé leur soutien dans la juste lutte de libération nationale.
8, il s'agit d'un appel aux trois catégories des FAPLNK à redoubler de combativité et à intensifier sans répit leurs attaques contre l'ennemi en vue de la libération totale et définitive de la nation et du peuple. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir en ce qui concerne la lecture de ce document? To my reading of this document. Monsieur Kyesampan, souhaitez-vous faire des commentaires? Mr. Kyesampan, I have no comment whatsoever. Je n'ai aucun commentaire for à faire. The time being. Pour thank l'instant. You. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, Monsieur le Président, j'ai well then, présenté les documents no qui comments, me paraissaient Mr. pertinents à ce stade. I have presented documents that I consider pertinent at this stage. I have no further documents to present.
The President. Now the hearing concerning the history of the Democratic Cambodia and the account by Mr. Nuon Chia. Le segment sur l'histoire du Parti communiste and du Cambodia, we are going to present documents. Et l'interrogatoire de Nuon Chia prend fin cet après-midi. Il sera question de documents. And the chamber wishes to note that Nuon Chia defense team did not souhaite take the opportunity to put questions to his client, and as for the presentation of the document, Judge Lavergne has already presented a document to parties. Des documents aux parties. And the chamber wishes to remind parties that if parties wishes to place documents before the chamber, the chamber will decide when those requests are placed before the chamber tomorrow. So the hearing today is adjourned, and this afternoon the chamber will not resume because we, the chamber, has the internal meetings to discuss, and tomorrow we are going to la chambre a une réunion continue the proceedings. Et l'audience reprendra. Okay. And this serves as the notification for the parties, and we will resume tomorrow morning before 9 a.m. Les parties peuvent donc se considérer notifiées et nous reprendrons demain à 9h. The defense counsel is now on his feet. You may proceed if you have any issue to raise. I understand that this afternoon there's not going to be a hearing, but what exactly is going to happen tomorrow morning? Que fait-on demain matin? Not completely clear. Ce n'est pas très clair. I understand the presenting of the documents has finished. Je comprends que l'on a terminé la présentation des documents. The President. The proceedings for presenting documents before parties are to be continued. Se poursuivra. And documents to be presented before the other co-accused. We have not yet done that, and the proceeding is to be continued. Cela se poursuivra donc ultérieurement. And this is going to be the proceeding that we will resume tomorrow, and if voilà we will not be able to conclude it by tomorrow morning, si we will continue into the afternoon session. Nous poursuivrons demain matin plutôt. Nous poursuivrons en après-midi. And the chamber will continue the proceedings on the first segment on the historical background of the Communist Party of Cambodia for two more days next week. Then we are going to hear the evidence and facts concerning the structure of the Democratic Cambodia and the communication of this regime. La structure du ou les structures administratives sous le Cambodge démocratique ainsi que le système de communication. Dal mien lakana
And we are going to also hear the roles of the accused in relation to the administration of this regime. And this issue has already been notified to parties by our senior legal officers. And as for the formal notification to parties will be served after we conclude the hearing this morning, and we will serve this notification to parties afterwards. Après l'audience de ce matin. Somjin. Oui, Monsieur le Président, Madame la juriste hors classe, nous Mr. ayant President, adressé un mail pour nous suggérer la possibilité de présenter des documents en début de semaine prochaine. For documents to nous be avons répondu next positivement week. En ce qui nous concerne, and, mais nous serons en mesure de présenter ces documents qu'à partir de lundi, we will be in a position et en tout cas, these documents ni as from certainement Monday. Pas demain, puisque nous in ne sommes pas encore case, tout à fait prêts. Able to Je present them tomorrow because we are not yet ready. I just wanted to point this out to the chamber maintenant. In light of the instructions we have received thus far. The chamber has made it clear that tomorrow the chamber will hear the evidence put before parties concerning the other accused. La Chambre va procéder à l'examen des éléments de preuve. However, if any party who is ready to put the document before the chamber, prête à présenter les documents, and if the time is left for that purpose, then party can do so. However, si if the party faire, is not ready, then they will prêts. Follow the a schedule that has been set by the chamber le calendrier établi par la in chambre. Which the chamber has set aside 2 days next week to hear those documents concerning the historical backgrounds as well as the structure of the Democratic Cambodia and its communication. Et le système de communication. And there will be additional facts concerning the roles of the accused in the administrative structure as well as communication of the Democratic Cambodia. I think I have made myself clear, at least in Khmer language. The court is now adjourned, and the security guards are instructed to Garde bring the accused to the holding cell downstairs, to the detention facility, de and bring them back to the courtroom before 9 a.m. tomorrow morning.